camarades, je vous remercie d'être venus tous les six à notre repas annuel. Comme vous le savez, c'est dans notre entreprise une tradition désormais bien installée de nous retrouver chaque année à la veille de ma crucifixion. Cette fois encore, nous allons profiter de ces retrouvailles pour faire le bilan de nos activités durant l'année écoulée. Avec plaisir! Vous vous souvient-il, camarade? Nous marchions un jour sur les bords du Jourdain. J'allais devant et vous me suiviez lorsque, soudain, vous cessâtes de me suivre. Hola, camarade, que faites-vous? Seigneur, cette femme de petite vertu, en plus de vendre ses charmes à tous les philistins de la région, a commis le péché d'adultère. C'est une adultère! Il faut la lapider! Non, camarade. Vous vous méprenez. Camarade! Je connais ce shampoing. C'est celui que Saint Jean-Baptiste, que mon père et son âme, utilisait lorsqu'il me baptisa, il y a 7 ans de cela, dans ce même fleuve du Jourdain, sur la berge duquel nous marchions, jusqu'au moment où vous cessâtes de me suivre. Que de bons moments nous avons vécu ensemble cette année. Pour la lapidation, c'était moi qui avais eu l'idée. Simon, c'est toi qui me fais du pied. Non, ce n'est pas moi. Nous voilà, camarades, à la croisée des chemins. Après avoir marché 30 jours et 30 nuits, un choix crucial se pose à nous. Devant vous s'ouvre la route qui mène à la terre promise. Et à votre gauche, la route maudite qui mène vers la perdition, le stupre et la famine. Ne l'écoutez pas, brebis égarée! C'est cette route-là qui mène à la terre promise! Empruntez-la sans crainte! C'est au fond, à droite, au bout du couloir! Vous ne pouvez pas vous tromper! Quel embarras! Que devons-nous faire? Difficile à dire! Tous les chemins mènent à la terre promise! Le chemin que je vous indique est celui emprunté par Moïse lorsqu'il s'enfuit dans le désert. Le sol est encore tout imprégné des eaux de la mer Rouge. Mon chemin fut suivi par les rois mages, l'arche de Noé et le joueur de flûte de Hamelin. Il est indiqué par l'étoile du berger. Il suffit de suivre la lumière. Mon chemin fait escale à Rome et à la Mecque. Il est vivement conseillé par le guide du routard. Il est répertorié sur toutes les bonnes cartes de tourisme pédestre. Vous pouvez emprunter mon chemin et vous n'êtes pas obligé de le rendre. Il n'y a aucun péage sur mon chemin. Aucun autostoppeur, aucun radar, aucun gendarme couché. Saint-Jacques de Compostelle choisirait mon chemin, aussi vrai que les chats achèteraient Whiskas. Que faire, mes frères? Quel dilemme atroce! Méfions-nous! Tout flatteur vit aux dépens de celui qui jette la première pierre.
Choisir, c'est renoncer. Et résister, c'est s'abstenir. Mais ce à quoi on résiste persiste. Ouais. À gauche, tout. Il ne tente rien à rien. Si j'avance, suivez-moi. Si je meurs, ressuscitez-moi. Si je recule, écrivez-moi. Ce Judas commence un peu à m'emmerder. Il n'en fait qu'à sa tête. Il faudra que je pense à doubler sa dose de Ritaline. Eh bien, camarade, vous ai-je menti? N'est-ce pas la terre promise? Non, Judas, ce n'est pas la terre promise. C'est le temple de Jérusalem. Et tu sais comme moi que nous ne sommes pas les bienvenus ici, après la manière dont vous vous êtes comporté lors de la dernière Pâque. Ne t'inquiète pas, Seigneur. J'ai prolongé les visas de tout le monde. Et j'ai même pu t'obtenir un permis C pour les siècles des siècles. Amen. C'est bien, Pierre. Tu es un bon garçon. Je te fais pape. Au nom des pouvoirs qui me sont conférés, et sur cette pierre, tu bâtiras la chapelle Sixtine. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est du latin. Je n'entends pas cette langue. Je crois qu'elle parle de l'apport positif de la colonisation romaine. Elle a dit que Rome a perdu une bataille, mais qu'elle n'a pas perdu la guerre. Cette fois, c'est de l'allemand. Elle a dit « Ich bin ein Jérusalemer ». Ah ah ! Et eux, qui sont-ils ? Damnation ! Ce sont des Philistins ! Je reconnais le fait d'être caractéristique et leurs petits yeux chafouins. Philistins, Philistins ! Écoutez-moi, vous n'adorerez qu'un seul dieu. Vous vous garderez de la convoitise, de l'usure et de la concupiscence. Vous respecterez les conventions de Genève sur la non-prolifération. Paissez, mes brebis, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soyez maudits, Philistins, rendez sous terre. Votre collaboration avec l'occupant est à l'opprobre sur vos familles jusqu'à la 42e génération. Les condamnés tendront vos femmes à la libération. Comment? Que vois-je? Vous faites du marchandage dans le temple de mon père. Vous effectuez le commerce, le sacrifice et l'holocauste dans la maison de Dieu. Sommes-nous dans un monde de piété, dans la cour des miracles? Vous profanez ce lieu saint. Ah!
chers camarades, on peut dire que nous avons vécu de bons moments ensemble cette année. Pour la route de Jérusalem, c'était moi qui avais eu l'idée. Quel bouton tranche, Judas ? À l'œuvre, on connaît l'artisan. Allez, ceci est mon sang. Faites tourner. C'est toi le meilleur, Seigneur. Ouais, ben Seigneur ou pas, ça commence à peser sur la vestie cette histoire. Je vais aller faire un tour en petit coin. Judas, je te vois, ne me fais pas un coup de plus, j'ai l'œil sur toi. Mais je n'ai rien fait, moi. Le Seigneur est omniscient, c'est là son moindre défaut. Quand on va la cruche à l'eau, qu'à la fin, les souris. Simon, c'est toi qui marches sur ma tête. Mais non, ce n'est pas moi. Marie-Madeleine. Non, ce n'est pas elle. Ça alors. Oh, c'est même un monde. On peut pas t'attendre 2 minutes sans que ça soit le foutoir. Bon, eh bien il ne me reste plus qu'à reprendre la route et à trouver d'autres disciples. Mais tout de même, c'est toujours la même chose. Ils me jurent fidélité, on leur donnerait le bon Dieu sans confession, et à la veille de ma crucifixion chaque année, ils se débinent. Ils me renient 3 fois avant le chant du coq, ils me posent des lapins. Ah là là, que je multiplie des pains, ils sont tous là, mais dès qu'il s'agit d'un peu de soutien dans les moments difficiles, genre crucifixion, alors là il n'y a plus personne. Excusez-moi, mon brave. Pourriez-vous m'indiquer le chemin de Jérusalem ?